qui a vu le match? Kylian. Kylian. Bravo. Tu es le plus grand joueur du monde. Tu l'as montré. Tous les autres. Tous les autres. Alors quand on joue le match, faut savoir que l'UEFA nous facilite les choses en retirant des règles pour nous. Oui, c'est pour nous. C'est pour nous que l'UEFA a enlevé le but à l'extérieur puisqu'on galérait trop. 2017, on marque 4 buts chez nous, on en prend 6 en Espagne. 2019, on en met 2 à Manchester, on en prend 3 chez nous. Donc ils disent, bon. Quand même, les Qataris ont mis le PIB du Guatemala à Paris. Nous, on aime beaucoup cette ville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils sont en train de parler. Ils ont dit, bon, on va enlever la règle du but à l'extérieur parce que sinon. Donc, ils enlèvent. Alors, on entend parler, Mbappé va partir, Mbappé va pas partir. Mbappé va devenir ministre de l'Intérieur, Mbappé va racheter l'hôtel de ville de Paris, tout ça. On gagne 1-0 chez nous. Tout le monde est content. Dimanche, on joue. Samedi, on joue Nice, on perd. Moi, quand je vois cette défaite, beaucoup de gens disaient oui. Je vais quand même. Les gens disent oui. C'est rien, ils vont se donner ce mercredi. Donc moi j'ai dit, ah bon? T'es sûr? Ils m'ont dit oui, on est sûr. Alors, on arrive sur le. On leur met la misère, frérot. Si t'as pas vu le match, si t'as pas vu le match, le Real de Madrid, c'était le facteur. Le facteur n'est pas passé. Il passera demain, lundi, pas là, mardi, pas là, mercredi. Il était toujours pas pendant 60 minutes. Faut savoir qu'Mbappé est en train de violer sur le terrain. Il a des rapports sexuels avec Carvajal et Alaba. Militao, Thibaut Courtois, puisqu'il lui met 2 buts sur hors-jeu, refusé légitimement, il n'y a pas de souci. Donc Mbappé montre qu'il est le meilleur joueur du monde. Et à un moment donné, on part en contre. Et là, Neymar. Mais son maillot de numéro 10, il lui fait une passe, frérot. Mais une passe, ça veut dire que Mbappé départ de Midas. Moi, j'ai un garage là-bas, ma voiture est là-bas actuellement. Il démarre. Donc, il attend même pas que le portail s'ouvre. Il attend que le garagiste Neymar, genre, lui envoie une balle. Ah, frère, il lui envoie une balle et là, t'as Alaba. Alaba, c'est un Autrichien. Tu vois, c'est un Autrichien. En tant qu'Autrichien, en plus, il est noir et il est pas très bien. Des fois, dans son pays, on l'aime bien, des fois, on l'aime pas. Donc, on dit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que l'Autriche sont pas réputés pour être de grands mécaniciens. Ils ont face à lui une Renault 5 180 GTI qui arrive à pleine vitesse. Il se dit, je vais pas l'attaquer. Je vais juste boucher l'angle parce que Mbappé, maintenant, il est devenu un grand joueur quand tu fais carré R1 pour brosser la balle dans la lucarne. Là-bas, il dit, je vais boucher l'angle. Et Thibaut Courtois, comme c'est un malin,
il va voir que moi, en tant qu'Autrichien, je bouche l'autre angle pour pas laisser Mbappé l'occasion d'aller chercher le deuxième poteau, mais que Courtois bloque le premier poteau. Mais il le fait pas, Courtois. C'est quelqu'un de Courtois. Parce que lui, il voit dans l'avenir, Thibaut. T'entends? Il voit dans l'avenir. Il savait ce qui allait se passer à l'heure où je te passe. Alors, il dit Mbappé. Mais t'es pas au courant? Ben vas-y, marque. Alors, il marque 1-0. Et on joue. Verratti, incroyable. Marquinhos, il me fait peur un peu. Marquinhos, il est pas très bon pendant le match. Il fait des relances, il donne la balle à l'adversaire et tout. Tu vois, il fait... Je dis, ouais, c'est bizarre. Moi, tu sais, je me dis que Marquinhos fasse des erreurs comme ça dans la relance, alors que d'habitude, c'est pas bon. Bon, bref, je ne prête pas attention. Comme la plupart d'entre nous ne prêtons pas attention. Hein? Alors, deuxième mi-temps, ils sont pas bien et tout. Et là, nous avons probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il a été élu meilleur gardien du monde par le France Football. La maman, c'était un Sénégalais qui devait l'être. Mais non, ils ont dit, c'est lui. Il est très fort. Mais quand je vois Navas sur le banc, quel manque de respect, quel manque de psychologie. Quelqu'un qui a gagné 3 Ligues des Champions, qui retourne chez lui, qui entend. T'as vu le plan qu'ils font? J'ai regardé le match sur RMC. T'as vu le plan qu'ils font sur lui quand il entend l'hymne du Real? T'as vu les yeux qu'il a, le sourire? Parce que Courtois, qui a le pouvoir de voir dans le futur, il a prévenu qu'il a... Tu sais, dans Retour vers le futur, si tu interviens dans le film, tu peux changer le passé. C'est-à-dire que Keylor avait le pouvoir de changer ce qui est en train de se... Regarde, j'ai déchiré mon truc alors que j'aime beaucoup ce... Il aurait pu changer tout ça, Keylor. Alors, dès lors, Mauricio, puisqu'il est dans un programme de Terminator, puisque c'est lui qui a inventé le T-1000. Je te dis, c'est le Skynet. Mauricio Skynet décide de mettre Donnarumma. Et Donnarumma, à un moment donné, il a oublié que son métier, c'est de jouer avec les mains. Bon, des fois, moi, quand j'allais en maths, au lieu de faire des calculs mentaux, je faisais du français. Bon, j'ai eu des mauvaises notes. Je me dis qu'à ce niveau-là, quelqu'un qui est payé au moins 600 000 euros net d'impôts, c'est que lorsqu'il est dans un cours de maths, on ne fait pas des conjugaisons. Il décide, comme ça, de se lancer dans la poésie avec ses pieds. Le mec qui fait 5m20, il a des pieds, c'est des bateaux mouches, frérot, des pieds, c'est des tables qu'il a. Et il veut réciter l'alphabet avec ses pieds. Alors Karim, qui est français, qui connaît la langue de Molière, il voit bien que Donnarumma n'est pas un grand connaisseur de Baudelaire, hein, ou de Dumas. La Dame aux Camélias, il l'a pas lu. Lui, il écrit Camélia avec un O. Comme « Oh, le con !» Il loupe le... Il fait un contrôle de balle, frérot. Il fait un contrôle de balle alors qu'il est pressé par Karim Benzema comme si sa mère était enceinte de son père à Karim. Comme s'il avait... Comme... Et... Oh. Il se fait bousculer, il tombe. Karim récupère le ballon.
Il demande la faute alors qu'il n'y avait pas de faute. C'est-à-dire que le professeur avait vérifié le contrôle et il lui a mis moins 20. Et quand il y a le 1-1, parce que Karim Benzema finit par marquer, quand il y a le 1-1, c'est une extinction du feu. Nous sommes dans ma colonie de vacances en Bretagne en 99, lorsque j'étais à Noirmoutier. 22h25, on est à une lumière! C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain joue dans le noir! C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière dans les étages, qu'il faut se taire, qu'il y a les animateurs qui rôdent dans les couloirs si quelqu'un fait du bruit. Voilà ce qui se passe à partir de la 65, c'est-à-dire que Donnarumma dort, Kimpembe dort, Hakimi dort, Marquinhos dort, Verratti dort, Mendes dort, Paredes disparu, Danilo, et tout le monde. Et Mbappé, lui, il n'a pas envie de dormir, donc il regarde tout le monde dormir. Messi, Neymar qui perd des ballons, comme si, comme si, comme si il n'existait pas. Il perd une balle vers chez nous là. Il part en contre. Personne capable d'intervenir. La balle retombe dans les pieds de Karim, qui frappe et Marquinhos met sa cuisse. Je pense que c'est le plus mauvais match de Marquinhos depuis qu'il est arrivé. Je pense que Donnarumma l'avait, mais du coup il l'a plus, puisque la cuisse de Marquinhos touche le ballon 2-1. Mais on est encore possibilité de prolongation. Donc je me dis ça va, tu vois. Bon, il reste quoi? Il reste quoi? 10 minutes. Il reste 10 minutes. Et là. Donc là, je suis déjà en train de. Je te jure qu'en prenant le but, je rigole. Demander à ma femme, parce qu'elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte. Quand on prend le 2-1, je rigole et j'applaudis comme ça. J'applaudis, tu vois. Tellement c'est fou, quoi. Tellement on a donné le bâton pour se le mettre dans le cul. Voilà. Et du coup, l'arbitre, tout le monde se met à sa place. Tout le monde est chez lui. Tout le monde est bien et tout. Et là, après, l'arbitre, il siffle. Genre, le match, il reprend. Donc, c'est Mbappé, déjà, qui se dit, qu'est-ce qui se passe? Enfin, les lumières sont éteintes, j'étais pas au courant. Il fait la passe à Verratti. Et Verratti, il donne la balle à Vinicius. Oh, moi, je me dis, Vinicius, quand est-ce qu'il a signé? Quand est-ce qu'il a signé au Paris Saint-Germain? C'est ça parce que j'étais pas au courant. Et donc il donne la. Bon, je dis peut-être que Vinicius a fait toujours avec nous. Donc Vinicius il donne la balle à son père, qui la donne à sa mère. Du coup, nous, comme en fait Paris c'est devenu Madrid. C'est ça que j'ai compris. Marquinhos a décidé de jouer pour Madrid parce que je pense qu'il est. Et il fait la passe en passe décisive. Il fait une passe décisive à Karim Benzema qui la met et 3-1. Et on est éliminé. Sans le but à l'extérieur. C'est pire que la remontada. Je le dis. C'est vrai que sur le moment, l'émotion qu'on a eue, c'était incroyable. C'était la première fois. Mais là, c'est la trilogie. Là, c'est la trilogie du samedi. Tu vois? La trilogie du. Nous étions sur M6. Au-delà du réel. X-Files. Oh, c'est. Tu sais, en plus, le mec qui a joué dans. Qui joue Murder. Enfin, ou Scully. Je sais plus, le garçon là. Il joue dans une série après qui s'appelle Californication. On s'est fait californiquer! C'était
écrit. Donc là, on a fait mieux qu'Avenger. C'est-à-dire qu'on a, on a réussi à faire le MCU. Mais là, c'était le PCU. Le Parisien Cinematic Universe. C'est-à-dire que... Ça veut dire que là, nous sommes... Il y a des mondes parallèles. Il y a des gens qui... C'est incroyable ce qu'on a vu. Tenez, je tiens à vous lire. C'est incroyable. Je... Là, vous... C'est... Je ne savais pas qu'on faisait du cinéma. C'est... Je... Qui est le réalisateur? Qui a réalisé le film? Parce que c'est trop beau. C'est... Voilà. Incroyable. Donc... Non, mais en vrai, c'est... En vrai, non, mais tu sais, là, je... là, j'ai fait un peu le comédien. Mais blague à part, c'est triste. Hein. En vrai, je vais dormir tranquille. Parce qu'ils gagnent des millions. Moi, je gagne des millions, mais moins millions. Donc, c'est triste. C'est ouf. Parce que c'est passé, mais ne vous mettez pas dans des... Là, c'est de la comédie, je rigole.